Salut tout le monde, les bonnes soirées 51 à vous tous de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002 en mode expédition et ce coup-ci en plein air. Je crois que t'as tout compris, Rémi. Tu vas avoir beaucoup de vidéos, là. Comme, un peu sur la même chose sur notre côté. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de vidéos sur la fréquence. Ça fait millions, là, faut pas, là. Alors, comme peut-être pas des millions, mais peut-être des demi-millions. À toi, Rémi. Ouais, je vois ça, oui. Et en plus, là, je viens de m'apercevoir que la vidéo, c'est de mon côté, là, l'enregistrement s'était arrêté. Là, quand tu filmes à partir de ces nouveaux là, appareils photo, hein, il y a un compte à rebours qui te limite à 29 minutes. Donc, sans arrêt, hein, qu'il faut relancer. Et là, ça y est, c'est reparti à nouveau pour une nouvelle vidéo. Ouais, mais bon, Gilles, tu sais que ça, c'est comme si on fait le buzz là aujourd'hui, à Chitroicou, c'est quand même grâce à vous autres. Hein. Parce que bon, sans vous autres, la fréquence 27-625 n'existerait pas, et ça n'aurait pas été possible. Mais c'est grâce à vous aussi qu'elle fonctionne, Rémi, là, avec toutes les stations françaises qui sont fidèles au poste toutes les années, et presque tous les jours, ben, c'est un peu réciproque, mon ami, là. C'est réciproque de tout retourner sur ton côté, Rémi. Ok, merci. Et tiens, un petit peu d'histoire. Ça fait la troisième année consécutive que le 27-625 est occupé, c'est bien ça? Oui, qu'il était à l'affirmatif. D'accord, ok. Et pourquoi le choix du 27-625, il y a une raison particulière ou c'est un choix au hasard? C'est un peu un choix au hasard, mais sur les certaines radios aussi, comme les Superstars 3900, Rémi, si tu vas sur la fréquence tu tournes le bouton pour aller en fréquence supérieure, tu arrives sur cette fréquence ici. Et la fréquence 8 était un choix qui était peut-être dans le passé une fréquence occupée ici avec les 8 Upper Sideband. Alors en étant un peu plus haut sur la fréquence, hein, quand en tournant le bouton, ben, ça tombait sur le 625 QSL. Ouais, avec USL. Et effectivement, hier, quand j'ai lancé là, mon truc là pour mon expédition improvisée, j'ai effectivement rajouté le canal à côté, là, le canal 18. Mais c'est vrai que là, vous avez raison, effectivement. Hein, beaucoup se mettent en terminaison zéro, mais c'est pas toujours évident parce que tout le monde n'y accède pas. Tous les postes n'accèdent pas sur les terminaisons zéro. Donc c'est pas trop aider les stations qui cherchent justement à faire des contacts. Et là, justement, là, ce 27-625, donc canal 18, c'est vrai que là, il est vraiment bien placé, quoi. Et c'est vrai que là, vous avez eu une très bonne idée, justement, de l'avoir choisi. Hein. Et j'ai qu'un mot à dire, longue vie au canal 18 supérieur. Merci beaucoup, Rémi, merci beaucoup. C'est un temps plaisir de vous entendre en fréquence. C'est dommage que la propagation n'est pas à l'année ici, avec la 14, mon ami. Ah, et pour le coup, il faudrait racheter d'autres packs de bière parce que là, on saurait plus quoi dire. Enfin, non, on finirait par avoir trop soif. Ça finirait par coûter cher au portefeuille, ça, à force. Ça va aller chier, là. Ça va aussi. Rémi, tu parles de bière et tu je l'attendais, celle-là. Je l'attendais, celle-là. Alors, justement, tiens, puisque tu lances ça, il y a une anecdote là-dessus. Ma femme et moi, on n'est absolument pas du tout buveurs de vin. Certains doivent éclater de rire derrière, mais non, c'est très réel. On n'est pas du tout amateur de vin. Et on vient habiter où? En plein milieu des vignes. Alors ça, c'est un comble. Je parie que c'est Michel qui t'a dit ça. Il a pris une étude des docteurs, les gens qui ne boivent pas de vin ont entre 5 et 6 ans de vie en moins que les autres. Eh, hey, c'est une parole d'ivrogne, ça. Vous entendez le Québec un petit peu, là, comment ça se passe en France? Aïe, 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 aïe. Faut bien que ça réchauffe, nous aussi, un peu, avec le vent. Affirmatif. Et je parie que c'est Michel, la famille du Maillet, qui t'a dit ça. Bah tiens, d'après toi, d'où ça pouvait venir d'autre? Et là, le temps derrière, à côté, la famille Michel. Faut pas que chanter, prends le micro un peu.
Ouais, j'ai entendu chanter derrière. Gilles, on a vu des photos sur Internet. Je sais pas, mais j'ai vu autre chose que la station quand même traîner. Hein. Là, il y en a, ils n'avaient pas l'air très très secs hein, quand même, là, sur les photos que j'ai vues là. Ah oui, il y a quelque chose qui traîne dans les photos. Ah, j'ai vu des trucs là qui nous ont un petit peu interpellés, quoi. On voit quand je vois, mais on voit pas quand je sors. Ouais, mais bon, Eric. Ouais, mais bon, tu sais, Gilles, je sais pas si t'as bien regardé du côté de mes photos, comme par exemple la QSL, la mienne, ma QSL perso. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Que la station que j'ai en fixe, eh bien, elle est installée où? Eh bien, dans le bar que j'ai fait au QRA. Là, je joins l'utile à l'agréable. Je suis trop à la radio, j'ai soif, j'ai juste à pencher la main, attraper ce qu'il me faut, et puis voilà, ça y est, le tour est joué. C'est la bonne excuse, je ne crois pas, hein, c'est la bonne excuse. Toutes les excuses sont bonnes, hein, c'est toujours bonnes. Ouais, non mais on l'a cerné aussi, hein, faut pas croire, hein. Là, le Gilles, on l'a cerné, hein. On sait à qui on a affaire, hein. Oui, j'ai entendu, en avant la station. Eh bien, hey, tu sais que t'as beau être tourné vers le Canada, mais on t'entend quand même, hein. Écoute, on va qu'à côté, Michel Duvalier, on va le faire, on va le. T'as beau avoir tourné l'antenne, mais on t'entend quand même, hein. Ah ben, la tour de contrôle est là pour être entendu dans la limite, hein. Ok, oui. Hey, je vais le dire en plaisantant, hein. C'est là qu'on reconnaît les grandes gueules, hein. On les entend toujours, hein. Ouais, je vous entends. Ah, ça y est, là, je vous entends à nouveau. Eh bien, je viens de relancer encore une fois la vidéo. Comme quoi, le temps passe vraiment trop vite. Voilà, il y a une petite pointe. Donc, je ne sais pas si tout à l'heure vous m'avez entendu. Donc, vu que la propagation est en train de chuter plein pot, je renouvelle à l'ensemble des stations du Québec. Et toi, évidemment, Gilles, bien sûr, parce que tu fais parler. Allez, pourquoi je bafouille comme ça, moi? J'ai le cerveau qui court plus vite que la parole. Alors forcément, ça finit par faire des nœuds à force. Oui, donc, je recommence tout. Je disais donc, les bonnes 73 à toi, Gilles, ainsi qu'à l'ensemble des stations du Québec, avant de ne plus pouvoir du tout vous entendre. Et par la même occasion, bonne année, meilleurs voeux, bonne santé, et tout ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur, ainsi qu'aux autres stations françaises qui sont... Voilà, me revoilà, je viens de changer, toi, la batterie là, de la vidéo avait, voilà, ok, c'est bon, ça tourne, ça avait, la batterie de la vidéo était tombée à plat, j'avais prévu le coup, donc j'ai mis une deuxième batterie dedans, c'est reparti pour une nouvelle vidéo, le Québec, je vous entends encore. Donc, comme je ne sais pas si tout est bien passé, je renouvelle à nouveau les 2713-51, vous, le Québec, ainsi que, oui, ben toi, Gilles, plus toutes les personnes qui t'entourent, l'ensemble du Québec qui est en fréquence, de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002, et qui vous souhaite par la même occasion bonne année, meilleurs voeux, et tout ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur. Voilà, retour avec le Québec, parce que là, je crois qu'au niveau propag, ça touche à la fin. Eh bien, on dirait que la propagation remonte.
Et en même temps, j'ai une moustache d'un QSO qui est... On est sur le 18, oui, bon, qui est un petit peu plus haut. Je crois savoir qui c'est. Là, sa moustache plein pot. Bon, mais c'est pas grave, je vais faire avec quand même. La propagation remonte. Donc, eh bien, on va continuer comme ça, il n'y a pas de problème. Ça va toujours monter, mais jusqu'à temps qu'un moment, ben, ça va chuter complètement. Mais déjà, on va pas des petits bouts de caméra. On a un Henri qui vient de manifester à QSL. Ok, j'ai du mal un petit peu là, tout. Ouais, là, la propague est en train de faire des vagues. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là, ça c'est pas trop, on sait pas trop ce que ça fait. Enfin bref, tant que ça continue, tant qu'elle est là, moi il n'y a pas de souci, je reste là avec vous, il n'y a pas de problème. Aïe, 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 je suis moustaché, là, je suis complètement moustaché, c'est horrible, j'ai du mal à, je crois que même toi, Eric, là, je vais avoir du mal à t'entendre. Ah bon, si tu m'entends plus, alors on va pas aller loin, hein. Oups, je me suis trompé, là, je crois, là. Tu m'as fait peur, hein. Non, non, mais tu verras, là, j'ai de la moustache, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant, ça, c'est le problème avec, avec des stations qui poussent le micro à fond. Ils ont beau dire, oui, mais j'ai pas beaucoup de puissance, oui, bien entendu, mais, et le micro, c'est, voilà. Quand les micros sont trop poussés, ça donne des effets comme ça, et là, c'est vrai que ça moustache vraiment très fort. Aïe, 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 là c'est horrible, ça m'a tout coupé là. Ça va aller à l'heure, c'est Je sais pas si ça continue à parler, j'ai par moment des pointes de moustache 9p10. C'est... là je comprends pas ça, moi. Bon, ben c'est pas grave. Je vais faire avec de toute façon, hein. Et puis si ça persiste, eh bien ça mettra complètement fin à mon expédition là d'aujourd'hui. Bon, c'est dommage, hein, que ça se termine un petit peu comme ça en queue de poisson. Bon, on va bien voir. Pour l'instant, je croise les doigts pour que ça s'arrête très vite. Ah mais j'entends le Québec derrière, mais c'est pas la propague le problème, c'est un QSO qui est quelques canaux plus haut, et dont une station qui a son micro de poussée au maximum, qui me moustache plein pot, c'est horrible. Strasbourg, il y a derrière. Du Québec. Oui, je l'entends. Ah,
212, mon ami. Bon DX. Ah, je vois que le Québec continue à bien passer, là. Oui, est-ce que ça a bien passé de ton côté, Rémi? Ah oui, tu passes bien encore, là. Il y a une petite baisse, là, tout à l'heure. Et puis là, c'est remonté. La station que j'ai entendue dans le lointain, j'ai cru comprendre Strasbourg, non? C'est pas ça? Retour de micro. Non, mais je ne sais pas si c'était sur Strasbourg. C'était 14 Tango, Roméo Charlie 230, département 37, Henri. Il y a deux verres de Strasbourg qui est en train de faire de quoi ici, Rémi. D'accord, ok. Bon, je l'ai entendu. Je l'ai entendu, je sais pas, il doit être reparti là. Bon, bon, ok, j'ai pris note de mon côté. Hein. Attention, putain, mais il met moustache à fond l'autre là sur le canal 22 là, plus haut là. Ça a changé là, pour Eric Bordeaux là. C'est Norbert le prénom d'opérateur, c'est ça? Oui. Oui, attention, c'est bien d'enfer. C'est bien d'enfer. C'est un peu. C'est un peu. Alpha, Alpha, 491, Rémi, à toi. Ok, sur mon QTH, là, j'ai un problème avec une station, là, qui est un peu plus haut, là, sur le canal 22, là, qui me moustache, mais à 9+10. Ce qui fait que, là, du coup, j'ai énormément... j'ai eu la copie, là, de la station de Strasbourg. Il n'y a aucun problème, j'ai eu sa copie entre deux moustaches. Là, c'est pas évident, là, de mon côté, là, de pouvoir continuer le contact. C'est bien dommage, hein. Y en a qui prétendent qu'il faut pousser les micros au maximum pour que ça passe mieux, alors que c'est pas vrai du tout. Enfin bref, je vais essayer de continuer comme ça, et puis si j'arrive plus à copier personne, et ben tant pis, pour moi l'expédition s'arrêtera hélas comme ça quoi. Le canal 22 qui est un peu plus haut. Voilà, c'est le canal 22 qui est juste un peu plus haut. La fréquence, je me souviens plus, j'ai pas de table de fréquence sous les yeux là. 675, je crois. Il me semble que c'est 27-675, je me souviens plus. Mais bon, je vais pas les embêter parce que je suis pas sur la fréquence pour faire la guerre à qui que ce soit. C'est vraiment pas mon but. La guerre, je laisse en paix. La radio, c'est pas fait pour se disputer, pour se chamailler. La radio, c'est pour faire ce que l'on fait depuis tout à l'heure, ce que l'on fait tous les jours, quoi. Voilà, moi, je suis plus pour la convivialité plutôt que des querelles de clochers comme ça pour une histoire de micro, quoi. Oui, j'ai réussi à t'entendre un petit peu, mais là c'est très 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 difficile de mon côté à cause de cette moustache. Là,
cette station-là en fixe, me moustacherait pas, ça serait super cuiro, là, ça passerait vraiment très bien. C'est très petit de mon côté, et pourtant, ça passe bien quand même. Hein. Mais hélas, donc Strasbourg, il n'y a pas de souci. Là, moi, pour ma part, je suis en expédition improvisée sur le secteur de Saint-Émilion, plus précisément sur Sainte-Colombe. Et là, je suis installé là sur une table de camping. Donc vraiment à la bonne franquette, là je suis là. Hachi trois coups, retour de micro Strasbourg. Ok, voilà, j'ai réussi quand même à t'entendre malgré la moustache. L'autre station, hélas, eh bien, je l'ai entendu vraiment un petit peu, là, c'était très QRP. Et c'est vrai que là, ça devient un petit peu difficile. Enfin bon, bref, c'est pas grave, on va faire avec. J'ai pas de filtre anti-conneries, c'est bien dommage, parce que là, il m'aurait bien servi, quoi. Ah, peut-être que si j'enlevais le préampli, ça améliorerait peut-être ça de mon côté. J'enlève le préampli là qui est enclenché, je vais bien voir ce que ça donne. Ouais, t'as la radio qui vasille un petit peu. Oui. Ouais, bon d'accord, voilà, j'ai éloigné un petit peu le micro de la bouche. J'étais peut-être un petit peu trop près. Qu'est-ce que ça donne là maintenant? C'est beaucoup mieux. Ok, j'étais en train de bouffer le micro comme c'est là. Merci, et peut-être qu'il faudra que je baisse le réglage de ce micro à main. Mais là, il faut que j'y aille au tournevis de précision. On verra ça un de ces quatre, alors. Ok, reçu. Les 2073, la station qui vient d'arriver. Désolé si je n'ai pas reconnu la modulation. Retour de micro. Toujours Daniel, c'est dans la rue. Je suis en train de depuis tout à l'heure. Je t'écoute, vas-y. Ah, désolé Christian. Oui, affirmative, t'as bien raison. Mais ce micro, c'est un réglage interne. Et il est déjà au maximum. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop. Ouais. Et le petit revient, Mika, là, sur le poste. J'ai le mic bien sur le poste, hein, évidemment. Hein. Mais bon, quitte à baisser quelque chose, autant que ça soit directement à la source. Mais là, j'ai pas pensé à amener un petit tournevis de précision avec moi là pour faire ça. Mais je verrai ça à l'occasion, de toute façon, depuis le QRA avec Eric. Et puis il me dira au moment, à force de baisser, au moment où lui commencera à sentir une différence, je remonterai d'un cran et puis là, ça sera bon, quoi. Allez, je repasse un coup de vie.
Ok, alors, qu'est-ce que j'ai, Pascal, sur le forum, à ton écoute sur le 27-625 de 9 Charlie Mac 001, opérateur Jean-Claude, cherche ton contact. Ben Pascal, je l'ai déjà eu en fréquence, je l'ai déjà, il n'y a pas de souci, il est avec nous. toute l'équipe de la cabane est sur écoute. Eh ben oui Pascal, je sais bien. Il y en a un qui arrive avec un train de retard. J'ai Pascal 14 Oscar Delta Romeo 001 qui est sur le chat du forum des ondes du routier, qui est en train de m'avertir qu'on est tous actuellement en ce moment là en fréquence. C'est bien gentil en lui, mais il est un petit peu en retard là. Ok, 9 Charlie Mike, bye bye, bye bye. Ok, j'ai compris pourquoi il m'a mis ce message. Voilà, il y a une explication derrière. Donc, le Québec, donc vous avez les modes 73, évidemment, de Pascal, qui est également dans le groupe 14 ODR, enfin Division 14 ODR, là, sur Facebook, hein, qui vous envoie les modes 73 et il vous entend. Alors, il vous entend pas depuis le fixe, parce qu'il habite en appartement et donc ça lui est très difficile de brancher une station. Mais il vous entend depuis Internet, c'est-à-dire depuis Web SDR. Voilà, il a trouvé comment faire une petite galipette pour arriver à vous entendre, le Québec. Retour de micro sur le Québec, Pascal vous écoute avec plaisir. Mais il ne pourra que vous écouter, c'est tout. Hein. Oui, ben attention Pascal, merci beaucoup Rémi. Ben, je crois que oui, j'ai très bien noté, Pascal est sur Facebook. Facebook ici, ça va perturber un peu le signal et même mon audio à l'entrefaite. Mais quand la propagation aura chuté ici, Pascal, ben, je vais passer les vidéos que j'ai. Alors, s'il ne m'entend pas, ben, je lui envoie tous les bons chiffres civilisés de la part des Bravo Charlie de Gatineau, à QSL, à Rémi, pour Pascal. Ok, ben il t'écoute là sur Internet, hein, voilà. Il est sur le site web SDR, donc il a quand même une réception là de votre côté là sur le Québec. C'est formidable la technologie, comment toi, on arrive toujours à trouver une parade. Voilà, il est en appartement, il n'arrive pas trop à faire ce qu'il veut côté CB, c'est bien dommage. Voilà, il faut qu'il soit dans le mobile. Mais bon, il est un petit peu frileux là en ce moment, Hachi. Et ce qui fait que bah, du coup il a trouvé une parade pour pouvoir quand même suivre le QSO et avoir le plaisir d'entendre le Québec. Alors Pascal, les amis de le 14, Victor et Corinne 7, l'opérateur Eric Bordeaux, je te salue et puis à bientôt, au revoir. Voilà, bon, je sais pas si tu as entendu sur WebSDR, je vais lui faire le QSP là de suite là sur le chat là, du forum. Ah, tu lui demandes à Ok, je lui demande. Ok, ben toujours là, toujours avec ma moustache derrière. Pascal, oui, alors Eric, Pascal te répond sur le chat, non, il t'a pas entendu. Hein. Et pour vous autres, les stations du Québec, eh bien Pascal 14 Oscar Delta Romeo 001, vous entend, vous écoute déjà depuis une bonne heure. Donc, comme quoi, c'est avec grand plaisir qu'il suit à moitié, quoi, le QSO. Oui, mais c'est très
fait un pas de sa part. Ici, les Bravo Charlie, on est tous à l'écoute. Eh bien, nous aussi, on est à l'écoute. Parce que là, je commence à être à bout d'arguments. Là, j'ai besoin d'aide sur le coup, là, pour alimenter le QSO. Non, trêve de plaisanterie, c'est toujours avec grand plaisir qu'on vous écoute. Hein. Alors, par contre, est-ce qu'il y a d'autres stations qui voudraient rentrer dans le QSO malgré la moustache que j'ai? Donc, si je les entends pas, ben, les autres stations en fréquence prendront la relève. En avant, les stations là, qui souhaiteraient rentrer là, dans le QSO. Dans le QSO. Ah, pas beaucoup. J'entends du monde derrière, oui, en avant la station. Oui, Rémi, j'ai 14 hôtels Roméo Victor ici. Je ne sais pas si c'est une réception. 14 Roméo 14 hôtels Roméo Victor, pardon. Ouais, eh bien ça doit être lui que j'ai entendu là. Ok, en avant la station Hôtel Roméo Victor avec le QRZ. Oui, en avant Robert, bonne photo mon ami. Oui, QSL, QSL, ben comme tu peux voir, la fréquence est beaucoup, beaucoup active aujourd'hui avec notre ami Rémi 002, Pascal qui n'est pas présent dans le TX, mais dans le RX, il est à l'écoute sur le net, 14 Oscar Delta Romeo 001. Pascal aussi, à quoi le micro mon ami Robert?